Lévi, je me mets où du coup? Droite, gauche? Non, je pense que tu vas te mettre au milieu. Au milieu. Et moi, je pense. Non, mais je pense que je vais me mettre au milieu. Non, je vais me sors au milieu et toi, tu vas te mettre là. Ouais, non, mais pourquoi tu me Non, écoute, c'est ma vidéo, on va pas commencer à... je me sors au milieu. Non, écoute, Lévi, arrête. Salut les fans et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la venue prochaine de Brian Lauren à Paris. Brian Lauren. C'était toi dans ma dernière vidéo ? Et du coup, je profite de la venue de Marion et de Seb de l'association Music First pour faire une petite vidéo explicative. Explicative ? Ça se dit explicative ? Explicative, qui sert à expliquer. Alors, tu vois, monsieur explicative, ouais, est-ce que ça existe ? Oui, non, mais tu vois, c'est dans le dictionnaire. Je te contredis pas. C'est dans le dictionnaire, c'est un mot français. Mec, on l'a fait cette vidéo ? Désolé. Bon, désolé. Alors, une première question de Manuel de Paris. J'ai vu qu'il y avait une conférence avec Brian Lauren, mais qui est cet individu ? Alors Brian, c'est un musicien et producteur qui a décollé à 17 ans dans les années 80 et qui a travaillé avec des gens comme Shanice, Whitney Houston, Sting ou encore Michael et la famille Jackson. Une question de Ryan G de Los Angeles. C'est moi qui pose les questions. Donc, une question de Ryan G de Los Angeles. Comment va se dérouler cet événement ? Alors l'événement, ce sera une conférence qui sera donnée par Brian où il va vous raconter toutes ses histoires et ses anecdotes de studio. Il va vous jouer quelques morceaux également. Et pour les personnes qui auront des billets premium, ça se terminera en studio après la conférence de manière un peu plus intimiste. Alors, une question de Silvio B de Rome. Ma, j'ai entendu qu'il ne fallait pas rater cet événement. Pourquoi ? Parce que c'est la toute première fois que Brian Lauren participe à un événement public. C'est quelqu'un qui ne s'expose pas dans les médias. Il ne donne pas d'interview. Et donc, il n'a pas hésité à venir en France suite à notre demande pour partager notamment beaucoup d'anecdotes sur les titres qui sont sortis dans le commerce et d'autres qui ne sont jamais sortis d'ailleurs. Mmh. Mmh. Il vous plaît, je vais vous demander de regarder cette c'est petite lumière que vous voyez ici. Oh bah, qui éteint la lumière ? Bah, qu'est-ce qu'on fait dans le noir, en fait ? Tu disais quoi, Seb, déjà ? Rien. Si vous avez compris cette blague, c'est que votre place est à ce séminaire. Lol. Une question de Marty MF de Hill Valley en Californie qui demande dans quelle année va se passer ce séminaire. Bon, l'événement se passe le 24 septembre 2016 à Paris sur Rennes, au studio mythique de Abbey Road. Des locaux superbes avec une console de mixage qui est absolument superbe. Ouais, pour aller dans un vaisseau spatial. Mmh. Donc c'est vraiment un cadre déjà assez mythique, vous verrez, il y a même une petite dédicace à Michael Jackson dedans, il y a une petite photo sympa avec Quincy. Et donc ça va se passer vraiment dans un endroit vraiment intimiste, dans un petit écrin comme ça, qui est bien avec une bonne connotation musicale. D'accord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de réserver votre place. Évidemment, tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et n'hésitez pas non plus à vous rendre sur la page Facebook de l'association Music First pour vous tenir informé de l'événement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !Ah, moi par contre, j'ai une question à vous poser. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Salut les fans ? On m'appelle. C'est Brad Sundberg. Hi Brad ! Oh ! How are you ? M'en fous. De toute façon, j'ai tout mon temps. Quelqu'un peut rallumer la lumière, s'il vous plaît ?